La piste est cabossée, je te dis pas, je le ressens sur le vire. Sur le volant là, c'est. Oh le travers, je sais pas si c'est qui vient de passer, mais il est beau. Ah c'était moi je crois. Ah il est beau, franchement, j'aurais pas fait mieux. Ah j'ai perdu 2 dixièmes quand même. Oh mais il était beau, franchement. Et... Du sport, hein, Lyon. Bon, les amis, ce soir, on se retrouve sur le mât du Clos. En France, un circuit bien particulier, avec des voitures bien singulières. Donc, des Ford montées aux palettes. Ford 34, c'est les voitures qui driftent. La Hayes, il a fait un temps, il s'est envolé. Les 1.30, 1.31, il s'envole. Bon les gars, vous êtes chaud pour les qualifs? On n'entend pas. On se donne 1 minute pour lancer la qualif? Ah merde! Ah, dans le décor. Putain, je t'ai regardé aussi. Je t'ai regardé partir du. C'est bon, c'est la trajectoire. C'est bon, j'ai pris un raccourci là. Hop! C'était où David? Ah, c'est pas simple. Hein. Oh la vache! Bon. Faut de l'entraînement quoi. Y'a un passage au stand ou pas pour, durant la course? Non, non, non. Bon, un verre, oui. Pas plus que le suffit. Voilà. Le plein, ça passe juste normalement. C'est le retour de force quand même. Bon, c'est ça, le coup de braquette des fois. Hein. Le gros droite après la ligne de départ. Ouh la pute! Ah oui! J'ai fait que ça. J'ai... Oh, allez. Bon, ben. Oh là là. Je sors. Oh là. C'est pareil, ça va être sympa. Putain, nous sommes combien ces voitures? Même pas un litre. On y va les gars. Allez. Allez. Je vais m'entraîner. Hein. C'est parti. Et tu conduis Zibon aussi? Tu conduis Zibon? Non, je stream là. Oh, c'est dommage. Et Bibix il conduit aussi, non? Ouais. Tu roules pas? Non, non, je conduisais Bibix. Ah, non. Ouais, je croyais que tu roulais moi. Ça roule, Zibon. Je crois qu'il est plus ambitieux de vous streamer les amis que mon état de rouler. Ah ouais. Bon. Bon donc en tout cas on a des véhicules bien atypiques.
sur circuit. Bon. Il est vraiment beau parce qu'il est, y a du relief, tout ça, c'est vraiment bien fait. Hein. C'est franchement. Et à un moment, t'as l'impression d'entrer dans un village là, avant l'épingle. Ouais. La petite maisonnette. Et mine de rien, quand on sort sur le, de la route, le, tu vois que le circuit s'est hein, bien déformé, quoi. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Oh, merde. Bon, alors, on vient. Oh, putain. Bon, allez, je repars sur le site. Voilà. Elle ne traîne pas cette voiture, c'est pas possible. Ah, franchement, ouais, c'est fun. Et allez hop, le travers. On est avec Ace qui nous a posé tout à l'heure un 1,29. Oh, pardon. Pardon, les amis, ils m'entendaient. Allez. C'est bon, pas de dégâts. C'est bon. Ouais. C'est passé. Allez, salut la compagnie. Là, on est sur le circuit français, le Mas du Clos. Un circuit avec beaucoup de dénivelé. Avec une voiture qui. Visiblement, faut être bon, avoir des compétences en drift pour pouvoir la manier. On est très vite au rupteur quand on monte les vitesses. Donc le moteur pourrait péter. On est à 100% de dégâts. Salut la compagnie. Voilà, 1,30 pour Ace. Clovis, 1,31 avec une vue de l'hélicoptère. D'accord, j'y étais passé. Merci Furon. Je vais me faire gagner dessus, peut-être. Ok, troisième position, le Nimposter, 1,31, 446, oh ça glisse. Voilà. Dommage pour Kasae. Il fait 1,31 qui est P4, David de P5, 1,31,7. Cal, 1,31,8. Furon, 32, il n'a pas fini de descendre. Thomas Gilly, 1,36. Carrasisco, 1,44. Diabolum qui n'a pas vraiment fait de temps. Chouchou qui n'a pas vraiment fait de temps. Et Biux aussi. Bon, on est sur des petits bolides là. Tout de suite, on est rupteur. La voiture elle glisse. L'arrière-train qui part vers l'avant. La voiture elle dodeline. Pas simple à conduire. Alors tout à l'heure la voiture, d'après les conseils de David de Montelloni, la mettre à plat, ouais, ça la rend plus stable. Alors la plupart ils ont la voiture par défaut, la voiture est plus basse de l'avant, un pic du bas, un pic du nez. P7, 1,31. Furo qui est passé. P3, 1,30. 463. Bravo Furo. Julien, 1,30, 984.
Non-imposteur. 5. Allez, encore moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. 4 minutes. Et des boîtes. Enfin, on n'entend pas les mouches voler. Une 28 de haies, ils ont encore dit. Allez, une voiture qui s'envole là, compliqué ce virage. Le n'imposteur, oh, il nous donne. Il nous montre comment ne pas passer ce virage qui est. Un virage qu'on ne voit pas. Un angle mort. Donc sur cette partie, on peut passer, s'autoriser, on ne coupe pas, tout va bien. Ah mais c'est pas vrai ce virage. Oh, est-ce qu'il a fait une 28 962? On rappelle que Hayes a fait sa petite proposition sur Discord et Serra pour ceux qui souhaitent s'améliorer tout simplement. Donc vous êtes les bienvenus avec Hayes pour ses petits conseils et bons conseils. Donc très bientôt on va avoir deux championnats popés sur Serra. Pour boire de l'eau c'est important. Donc futur championnat monté avec le Discord de Vintage Racing avec Zubusem en matra un bolide. Donc un bolide de 1976. Ah merde. C'est une savonnette, ça va dire. Ouais, t'aurais dû garder la ligne, chouchou, parce que... Ouais, non, mais je suis le... sur la gauche. Non, mais t'inquiète, c'est pas ta faute, toi. Ouais, c'est non, quoi, mais... Je sais rien faire, là. C'est que je suis parti sur le décor, là. J'ai... La voiture, elle a dérapé, là. J'ai dérivé. Le retour de porte, j'ai pas pu la rétablir. Ah ouais, faut que tu restes à gauche sur ce virage, parce que sinon, tu... Ouais. Voilà les conseils de Furo. Ouais, si je prends de l'extérieur, c'est mort. De toute façon, personne va essayer de te doubler dans ce virage. Hein, ce serait. Ouais, non, mais bon. Ce serait pas... un peu suicidaire. Ouais. Oh. Je drift, désolé. Les conseils entre pilotes, entre Furo et Chouchou. Ouais, j'ai l'impression. Donc, ouais, malheureusement, t'es plus lent en driftant, c'est ça qui est dommage. Oh. Tu lags, Chouchou? Allez, Diabolo va-t-il faire son temps? Je freine, hein, c'est désolé, moi. C'est... Tu lags? Voilà, 36, tu lags? 299. Je lag? Ah bon? Diabolo. Je te vois sauter, en fait. Tu n'en as pas, cette voiture. Ah merde. Oh, je tourne. Alors... pas. En angle droit. Ah ouais. Allez, on arrive au bout. Au bout des qualifs. Bonjour. Allez. Je sais pas qui c'est qui était juste derrière moi, mais j'ai pointé le bout de mon capot devant son capot. Donc P1 Ace 2 Clovis 3 Furo. Oula. C'est pas grave. 4 l'imposteur, 5 Julien Bigard, 7 bah moi, mais... David, c'est bien devant moi. Kiloni, 4, 7, 8, Monsieur Caracisco, RG, 8,
Kazae, P9, Thomas Guélin, Thomas Gélin, 10, ah bah bonne course, 11, Gabriel, 12, ouais. Et Chouchou, 13. Ah, on est pas loin, David. On est pas loin. Ah, le plein, c'est valide. Ah, oui. 18, le plein, non? Ouais, 20, ouais, d'accord. Ouais, 18, litres. Alors, 18, et je crois que dedans, c'est 17 litres pour la course. Ouais, ouais. Faut pas... C'est juste, ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sors ou quoi là? Ouais. Non, non, faut attendre. Non, mais je roule pas moi avec vous. Pourquoi tu roules pas? Oh, non, ouais, je vais vous laisser vous battre. Bah, oui, on avait dit qu'on se battait pour la dernière place. Bah, ouais, mais c'est pas le problème d'être dernier. Vous l'avez compris, on est trois alors pour être la dernière place là. On est quatre, voilà, on est quatre. Combien on est là? Bah, là on est 14 avec Zivan, ouais. 13. Non, là on 13, a 13, jamais été au temps. 13, B8. 13, là. 13, ça porte la Schoon. Allez, hop, je sors. Ah, ça porte l'honneur, ça porte l'honneur. C'est dommage, B8, vous êtes 4 dans le même temps là. Mais tu roules bien en plus de B8, ça. Ah oui, tu bah allez, d'accord, mais bon, on verra la première, puis on verra. Mais là, t'es 11ème là. Regarde, moi je suis derrière toi, je fais de la merde alors. Et moi je découvre le circuit, donc. On est plusieurs, je pense. On va pas faire des miracles. Ah non, puis là la voiture elle est compliquée, hein. elle est vraiment dure. C'est la guerre dans mon salon ou quoi? On va avoir du jaune de partout, là, drapeau jaune tout le temps, c'est marrant. Mais ouais, c'est mauvais ici, comme. L'erreur elle est pour tout le monde quoi. Donc. Ah bah celui qui sera trop gourmand, il ira bouffer l'herbe. Bah oui, hein, c'est ça. Donc, un coup, tu vas passer, tu vas être content, tu vas le voir dans l'herbe, et puis deux virages plus loin, ce sera ton tour. Lui, il va repasser, il va être content. J'aurais préféré partir dernier, mais bon. En tout cas, jouez la safe sur le premier tour. Faites pas des trucs imprudents. Ah, merde. Bon, allez, c'est pas mal, je trouve. Pour un mode comme celui-là, il y a du monde. Hein. Ah, il y a plus de monde que d'habitude. Ouais, c'est quoi là? On est hors confinement ou? C'est l'hiver. Faut sortir des modes bizarres, tu vois, pour qu'il y ait du monde. Bizarre, les tout le monde vient. Bon bah la prochaine fois, on sortira trottinette électrique et. Non, tondeuse à gazon, puis déjà. Tondeuse, la tondeuse. Ouais, tondeuse déjà. Tondeuse. Ouais, mais du coup, on fera le circuit sur l'air. 50 minutes. Non, la tondeuse, elle va bien sur des circuits. C'est un moteur de F1 dans la tondeuse. Ouais, il faut c'est clairement pas faut en. La ligne droite, un peu. N'importe quoi. Ouais, ça passe, on a testé, ça passe. Plus c'est de fou, plus on rit. Et c'est cette voiture pour ça. Bah, allez. Non, mais c'est assez spécial comme véhicule, donc je peux comprendre qu'il y en ait qui ont envie de rouler là-dessus. Ouais, c'est bien. Cool. Ah bah. Il y en a qui sont toujours partants pour rouler avec des aimants, hein. Et dès que ça commence à désaimanter. C'est ça. C'est ça. Ouais. Oh bah... non, c'est trop dur. J'ai ça aux autres. Les nouveaux venus, gardez votre trajectoire. Et puis embrassez-vous à la fin de la ligne droite, à la dernière minute de la course. Mais à la fin. Faut dire. À la fin. On verra bien. On verra bien. On va fumer d'abord. Ah merde, j'ai même pas le temps de fumer. 1 minute. Quoi, ça... Ah, chic-le. L'intérieur du virage, c'est sale ça. Ah, mais il y avait une cinquième. C'est pour ça que j'allais pas essayer. Il y en a une. Il était au rupteur tout le temps. Ce que ça donne départ arrêté. T'es derrière moi, Diablo? Oui. Je suis à côté à droite. À droite, t'as quelle couleur? À droite, ouais. Non les gars, soyez prudents parce que ça. J'ai la blanche. Vite le véhicule. Je pense que ça avec ça. Ça part en spin là, le plein gaz, je crois. Ouais, donc allez-y, mollo et puis les. Allez. Les défenses, fort. Allez, bonne course, les gars. Allez, bonne course. Merci. Ouais. Bonne course à tous. Thank you.
Merde. Il y en a qui va partir devant. Ouais, j'ai pas eu les phares, j'ai pas eu les feux en fait. Ah. On avait cassé la voiture. Elle est cassée, ben non, elle est toute neuve. J'ai cassé. Ah ouais, elle est cassée la voiture, merde. Ouais, même j'ai un peu l'arrière qui est... Il y a des tondeuses à gazon là. Il y en a, il est parti. Ah, attention, attention, attention. Ah, hop là. Oh, il y en a partout. Ah, c'est pas grave. Il y a un petit contact là, on l'a vu, on a observé. Allez, c'est reparti. J'espère que je suis pas trop cassé. Donc les dégâts sont à 100%. J'aime bien le son à la désaccélération là. 100%. Ouais. Au moment, le Mr. Clovis a pris la tête de la course. Un imposteur est à son cul sur son côté. Tout un petit troupeau là de 4 chouchous derrière Kazé avec Biwix Ez et un petit contact. Est-ce qu'il repasse devant? Non, c'est Biwix tendu là avec qui passe sur l'herbe. On peut passer sur cette portion de circuit, c'est pas invalidé, pas pénalisant, pas de soucis. Donc on a des voitures qui sont en poids puissance extrêmement légère, il y a de la patate, c'est pointé, tout de suite au rupteur, ça part en sucette, il faut drifter avec. La suspension, bah, ça tente. Qui c'est? Oh, bah, c'est mou. J'y suis. Ça rentre au stand. La boulette. La boulette. Vous connaissez bien. Allez, ça se tient bien avec Clovis et le Nimposteur. Celui de Furo. Furo qui a fini ses réglages avec Ace, mais Ace là du coup il est P9, il faisait un 1.28.9 Ace tout à l'heure. Un imposteur qui débarque comme un imposteur à 10 minutes de la course et qui installe tout ça et qui est là, il se dit oh, on va faire ça en 10 minutes, et bien il est là, P2, GG, Alan GG. Allez, on est avec Gabo. Kabibis devant lui et Chucheux. Petit bisou. Avec casque et P7 derrière David. Dernier virage avant la ligne droite devant les pits. Pas simple à prendre car il est en aveugle.
Julien qui est P5, qui se bat avec le P4, Caracisco. Alors, on va aller voir 4, Kazé. Kaz devant lui avec David. Et il a Ace derrière lui qui va lui faire la chasse. Allez, on monte la case. De l'imposteur est passé premier. Carpi la P1 devant Pouille. Allez, 13 minutes 40 de course. Et ce qui tente extérieur. Est-ce que ça va conclure? Non. Non, non, pas facile avec ce virage qui se referme là, près des pits. Ça bataille bien. Hein. Ça se suit, ça se suit. Qui a fait un dépassement de David là, qui a bloqué un peu les freins, il est parti un peu large, il en a profité. Allez, il en profite de cet extérieur, c'est pas fini avec David. Avec David à la spi. Il a pris la sixième position. Bataille de Julien avec RG8. Furo qui se maintient, P3, GG. Allez, Furo. Donc le Nimposter P1 Clovis qui est une voiture qui ressemble à la P1. Non, la P1 est noire et verte, Clovis noir et bordeaux. Fio avec sa voiture jaune et noire. Skin jaune et noir numéro 14, P3. RG8 en bataille avec Julien. La quatrième et cinquième position. Ace qui revient de loin. Et 6. 4 et 7. David, P8. Kazé, P9. Allez, Diaboloum qui fait le bonhomme de chemin. P10. Bewix, P11. Je suis P12.
et Thomas qui est au stand. Qui a repris la PS7. Oh, GB RG8, là il a perdu deux positions, donc du coup on a une bataille entre Aze et Julien. La remontade de Aze. Allez, RG8 qui est dans la suite de Aze. On a une longue ligne droite. Son freinage, voilà RG8 son freinage avec Aze en profite. Allez Aze, maintenant il va aller mettre la pression à notre Julien. Donc, faut rappeler que Aze avait fait le meilleur temps sur les qualifs. Voilà, il en profite là. Petite erreur d'accélération pour Julien. Là, voilà, regardez comment il le passe en 4. Quatrième vitesse. Ça semble facile, mais ça l'est pas. Ça l'est pas du tout. Il va revenir en 3, non? Même pas. On a une bataille avec David. RG8. Collé. Donc salut la compagnie qui passait sur le stream. Là on est avec des Ford 34. 1934, ce qui est assez étonnant sur ce véhicule, c'est que c'est pas des espaces. On n'a pas une boîte en H, c'est aux palettes. Donc, la voiture boostée. On est tout de suite au rupteur quand on passe les vitesses. Première, deuxième, troisième, quatrième, on est en hauteur, vite fait. Allez, là, c'est collé, hein, les 3, 4, les 6, 7, 8, là. Allez, Diaboloum qui est passé P9. Ah. Elle est pas facile, cette côte après la ligne droite à remonter, pas facile.
Allez, Napaster qui est à son 10e tour, premier, P1. Alors, Montacure, ok, P3 avec la chasse de la P2. Il est là, notre ami Furo GG. Le Napaster qui fait un sans faute. Clovis aussi. Ace P4, Julien P5. Il faut bien placer le véhicule pour ressortir dans le virage en glissant, hein, il glisse, hein, on le voit. On va voir comment il prend le virage dans la côte. Très doucement sur l'axel. Ça passe bien. Ah, le véhicule, il part, hein, vous le voyez. Hein. Allez, il a une seconde. Il revient doucement. 2 minutes 11. Allez, on a bataille. Bibix Casé. C'est une belle découverte. Pas mal en DVR, des points en aveugle, on voit pas ce qui se passe derrière les virages. Très technique. Beaucoup de plaisir à rouler sur le circuit, vraiment. Oh, sympa. À refaire sur une autre catégorie. Bataille avec David. Allez, ils vont rentrer, David P6. Allez, encore un tour, non? Bataille pour la P6.
Avec Lovis qui passe, Daniel. Allez, c'est le dernier tour. Donc elle a un imposteur qui est P1. Clovis, P2. Furo, P3. Ace, P4. Belle remontée après la touchette du départ. Julien Belliard, P5. Allez, pour la P6, c'est David Montironi. P7, Carrasco. Knell. Kale, pardon. P8. Du coup, est confirmé. Kazae, P10, Biwix, P11, Chouche. Kéopit, P12. Salut Okan. Un petit peu fatigué, mais ça va. Ça va, ça va. Et toi, ça va chez toi? Donc là, on vient de finir la première course avec cette Ford 34. Allez, Diaboulon qui termine, qui rentre. Qui rentre la voiture. Donc ce soir, non, je me sentais pas de conduire. En plus, c'est aux palettes. Donc, bon. Étant chamallow, je me sens mieux de papoter. Je suis pas très prolixe, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez la course. Ouais, t'as reçu ton super, ton T300. Super, ça doit te changer et te réadapter. Ah ouais, c'est quelque chose, hein, le T300, super. Tu vas avoir un bon retour au volant. Bravo, bravo. Que Alan il se vante quoi en fait. Mais bon, ça m'a permis sur une belle course, franchement. Et... Plus c'est bien, j'ai réussi à faire mon meilleur tour au dernier tour. T'as pris le meilleur tour? Non, mon meilleur tour en tout cas au dernier tour. Ah, t'as le moins d'expert. En tout cas, il y a un bon niveau là entre tout le monde. Hein, entre Casa, Cass. Je connais pas du tout. Vous avez déjà roulé chez SRA déjà? Carrasco, Cals. Non. J'ai jamais roulé ici. Non, du tout. C'était pas derrière. Ouais. C'est bien, bien suivi, David. C'est bien suivi, mais j'ai fait des claques, ça. Bah, j'ai pas fait, essayé de pas faire de cadeaux, mais. Bon, sinon, au niveau moteur, il y en a qui ont essayé de pas lever le pied quand on passe en les vitesses. Bon, moi, je. Moi, je le fais à chaque fois. Levez. Descendu, mais pas fort. Trop vite. Ah, ouais, non, ouais, ça, faut pas, ouais. Mais vous levez le pied, vous enlevez complètement le pied ou juste vous relâchez un peu? Non, c'est. Ouais, moi, voilà, c'est très bref aussi. Et tu relâches pas la pédale en entier? Non. Ok. Ouais, moi, j'embraye, moi, carrément. Ah, mais si t'embrayes, c'est pareil, elle monte dans l'eau. Ah, oui. Bah, non. Non. Si t'embrayes, tu passes ta vitesse. Ça passe pas dans le rouge, la boîte, là. Non mais le feu, tu montes en régime à fond et si t'embrayes du coup ton régime moteur il plafonne. Quand t'embrayes tu rassères. Ah oui, mais comme si t'avais une boîte en hache quoi en fait. Toi. Oui voilà. Donc t'as fait quoi sur ton setup Alan? Il est d'origine. C'est le mieux. Tu sais, j'avais pas le temps, j'ai préféré apprendre la piste que chercher à régler quoi que ce soit. Non mais d'origine il va bien. D'origine il va bien.
Oui, franchement, là, la voiture, faut juste la maîtriser qu'autre chose. Ce sera sûrement mieux pour peut-être régler un peu les pressions, les compressions, mais franchement, là, comme ça, pour un open, ça fait l'air de mon taf. Les ressorts et tout ça, c'est même pas peine de tout. Ça prend trop de place. Ouais, ça fait du poids, ouais. Ouais, bah, c'est déjà la course, là. Ah, okay. Ouais, c'est la course, ouais. C'est marrant, quoi. J'ai pas eu le feu au départ. Restait un peu bloqué. Ouais, du coup, genre, j'ai freiné pour pas rentrer dedans et du coup, on m'a rentré dedans. Y'a pas eu trop de dégâts, ouais, au premier tour, là, premier secteur, tout ça. Non, que dans l'épingle. Oh, c'est même pas que ça va se passer. C'est juste l'épingle, faut pas prendre trop large parce que tu te sors, quoi. La mimix, c'est à la pression, là. Oh, j'ai pris large, j'ai fait tout lourd. Oh merde, j'ai pas le temps de fumer, j'ai pas le temps de boire le café, j'ai le temps de récupérer. Un café, là, ça va être dur. Ah merde, ça démarre. Ouais, tu parlais des pédales, de ton changement de pédale, bah ouais, ouais, c'est autre chose, hein. Allez, c'est reparti. Donc là, on a la grille inversée. Faut pas que j'oublie de sortir le véhicule. Allez, serré, serré, là, c'est serré. On va aller voir ces espacements. Comment ça se passe, ça, en hélico? C'était chaud. C'est passé, pas de contact. Ça roule bien groupé tout ça sur le premier tour. Ça joue un peu des portières. Oh, c'est parti au large pour Aïs. Allez, allez. Oh, il y a eu contact là, sur le retour en piste. Elle était dans le smear blick. Est-ce qu'il rentre au pit? Contact entre Knuckle et Ace, visiblement. Est-ce qu'il est sorti sur la pelouse? Et le terrain, il est vraiment bossé sur la pelouse, donc ça fait mal, la voiture s'envole. Allez, c'est RG8 et P1, suivi de David, Nana Pastor P3, Clovis P4, P5 Julien. Derrière lui, Diabolum, Furo, P7. Yabo là qui est P6 qui là devant lui Julien avec qui est en bataille avec on va monter avec Julien qui est en bataille avec Clovis. Oh, il y a David là qui est en bataille avec la glissade de Mister G8. Alors, on va monter avec le Napastro qui est juste derrière. Ouais, là, elle est pas en sa faveur là sur l'extérieur, on a un passeur à la ligne droite qui est courbé. En plus, ce qui est pas simple avec le transfert de masse de ce véhicule. Allez, allez.
Voilà, il reprend la voiture, allez. Il perd un peu de temps, mais il est pas en vrac. Allez, il y a Clovis, là, là, il l'a recollé, il va lui mettre la pression maintenant. Et Clovis. Alors, montez avec le P2, avec David Montironi, qui a la chose de P1. On dirait qu'on a Chouchou qui a la voiture dans le mal. Non, au Diaboloum. Chouchou. Est-ce qu'il est P11? P12. Là, les 5 premiers, ça suit dans un 5 premiers, ouais, ça suit dans un petit mouchoir de poche. Julien qui ferme la route. Alors les copains de ce qu'ils m'ont dit, ils ont réglé le volant à 480 degrés. Parce que tout à fond, on lâche un peu dans la courbe. Allez. Trop dans la bataille. Et est-ce que ça fait l'affaire de David? Oui. Ce petit écart lui permet de passer devant. À la spi. Mais là, Caraïco, il est sur l'extérieur. Il est pas dans la meilleure des positions. Allez. Le Nimposteur en profite. Oh, mais ils sont plusieurs en profiter là. Il a perdu le contrôle de la voiture. Diabo et Thomas. Thomas glisse un peu là. Allez, ça part. Ça passe. Donc le Nimposteur est passé premier. Passer par l'herbe. Thomas y est encore.
Alors, lâche un peu là. Et avant. Oh oh. Un peu dans les pagnes, la pasteur. Ce qui se dit dans le chat, s'il se dit quelque chose. Hop là, je suis parti. Allez, ciao, bonne nuit. La semaine prochaine. Bonne course. Allez, on prend. Ah, pardonne pas l'accélération. Excellent. Allez, vas-y, tu me. Inspiration. Mister Furo avec RG8 pour la P5. Escapité. Ah non, 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 j'ai même pas touché. Tiens, je t'en mets en place. Allez, on a David et Clovis. Clovis qui est à la chasse de la P3. Il s'en sort bien, Clovis. Bravo, GG à lui. David aussi. Là, on a entendu tout à l'heure de l'imposteur parler.
qui venait d'arriver sur le circuit, voilà, hein, quelqu'un de doué. On peut pas dire qu'il ne le soit pas. Le gars, il arrive, il teste la caisse 10 minutes, un quart d'heure. Et il est là. Deux fois P1. Allez, Furu qui va peut-être... allez, qui prend la spie. On a Diabolo, mais chouchou. Oh, qui c'est qui est sorti? Thomas. Et il n'est pas reparti. Ah, ça suit de près, ça suit de près. Oui, c'est David. Ah, David, c'est loupé. Allez, Clavis, on profite. Allez, David va passer à l'intérieur. Son duel est gagné. Et Clovis n'a pas dit son dernier mot. Julien qui est P4 qui arrive à la rencontre de notre ami Bewix. RG8 P5
suis très près de Furo. Donc là, sur cette course-là, on a une, deux, trois, quatre abandons. Yo, monsieur Omalette, salut, Mister Aldo, comment ça va? Allez, dernier tour. Ça fait plaisir de te faire le petit coucou. Allez, Alan, le Nimposteur qui finit P1. David, P2. C'était serré là, David Clovis, P3. P4, Julien, P5, Mister Carrasisco, Furo, P6, P7, Diaboloum avec les pneus P8, B8, P9, Thomas, P10, Ace, 11, Carl, 12, Kazaek, Adeko, qui est donc 13, et moi, qui fait le commentateur pour vous. On va aller écouter ce qui se dit un petit peu après la course. Ça va donner chaud. Ouais, c'est un chaud. Hein. Bon hiver, c'est bien. Bah, bravo les gars. Merci. Bravo Zivon. Tu t'es régalé? Ouais. Ouais. J'ai une question que pour Monsieur Ace. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as vu le vol plané que j'ai fait? Bah justement non. Non. Ah putain. Comment ça se fait? Tu pouvais pas louper ça, quoi. Ah merde. Ouais. Ça t'est arrivé où? Bah, dernier virage, là. Dernier virage, je sais pas, j'ai tiré un peu trop large. Et... Ah, mais si, c'est ça qui t'a cassé la voiture. Ah, en fait, non, parce que en fait, j'ai réatterri sur la piste, mais on m'a rentré dedans. On t'a rentré dedans, c'est ouais. Ouais, il y a eu gros crack, je sais pas avec qui d'ailleurs. C'est Kazaé, je crois. Oui, parce qu'il a abandonné aussi. Et du coup, j'avais les deux quarts d'heure pétés, je suis passé au stand et ma course terminée. This is the end. Oh. Ah oui, Carrasisco, il est pas sur le vocal en fait. Bah, il est déco là, du serveur. Ah ouais. Ah bah, c'était très bien. Eh ben, bravo tout le monde, hein. Vraiment, ouais. Ouais, franchement. Bah, toi, Biwix, t'as pas fini dernier. Eh oui. Non, mais bon, moi aussi j'avais la voiture cassée, je roulais avec le volant tordu. Oui, il n'y a pas de plaisir. C'est pas... Bon, j'ai eu mon premier truc aussi, pareil, j'ai abandonné sur la fin. Bon, je sais pas si. Faut pas rouler quoi, avec une voiture cassée. Hein. C'est déjà dur quand elle est normale, alors cassée. Non, mais en tout cas, bon. Très sympa. Hein. Ouais. Franchement, ouais. Belle initiative. Ouais. Il y en aura un prochain, mais je verrai avec Zivon. Ouais, tu trouves un truc bizarre encore. Bah ouais, c'est une voiture bizarre, mais par contre, c'est une boîte mécanique. Hein. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Ok. Ouais. Une voiture de 56. Voilà. Ah ouais. Oh la vache. Au circuit, essayez le Donon, j'insiste. 56, moteur Formule 1. Moteur à l'arrière. Le Donon, c'est pareil, c'est vallonné, c'est dans le genre, c'est sympa quoi. Bah surtout, c'est que le mode est dans la vraie vie, et quasi, à quelques virages près. Ah ouais. C'est quoi le circuit? Le circuit de Les Donons.
Les deux noms. Ça s'appuie dans le sud, qui est dans le sud de la France. Oui. J'avais même pas une heure du circuit. Et Thomas, c'était quoi ton... Dans quel département? C'est dans quelle région? Dans le Gard. Ah, dans le Gard. Ah, dans le Gard. C'est pas un circuit qui ressemble un peu à Laguna Seca, un peu, dans ce style-là? Pas du tout. Pas du tout? Y a pas une descente comme ça? Non, en fait, si, y a une grande descente. Une grande descente et... Et une grande montée. Une descente, en rond, il y a un virage. Monte petit à petit, mais... Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Alors, il y aura deux prochains championnats. Une que je vous disais en Matra, une Formule 1 1967 qui est la MS7 sur les circuits de Silverstone, Donington 2018, Riverside le long, Walking Glade bout de classique et Charade qui sera la partie copieuse. Et après ça, en alternance, on fait un championnat sur trois voitures, sur deux courses, chacun son petit champ, et puis avec un classement général. Donc il y aura la Lancia Fluvia, l'Alfa Romeo, et on finira avec la Ford Escort. Voilà, vous aurez le temps de regarder les circuits sur lesquels on va rouler. Je vous dis à très bientôt sur SRA. À bientôt la compagnie, et je vous fais de gros bisous et portez-vous bien. Salut.